J'ai vécu ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Est-ce que tu m'entends, entité? Est-ce que tu me vois? Ah, te voici. Bien. Un endroit bien singulier, ce nexus temporel. Je n'entends rien à tous ces calculs. Cela a toujours été le domaine de Minerve. Tu te poses encore bien des questions. Qui étions-nous? Que sommes-nous devenus? Qu'attendons-nous de toi? Tu auras bientôt les réponses. Alors écoute-moi et tu comprendras. Avant ou après sa fin, nous avons tout fait pour sauver le monde. Nous avons construit de nombreux sanctuaires, chacun dédié à une méthode de sauvegarde. Ils furent bâtis sous terre pour les protéger de la guerre qui faisait rage à la surface, mais aussi par précaution, au cas où nos efforts seraient vains. Le savoir de chaque sanctuaire a été transmis en un lieu unique. Il était de notre devoir, à Minerve, Junon et moi, de trier et répertorier tout ce qui était assemblé. Nous choisissions les solutions les plus prometteuses et nous nous efforcions d'en éprouver les mérites. 6 méthodes successives, plus encourageantes les unes que les autres. Mais elles échouèrent et ce fut la fin du monde. La terre a tremblé pendant des jours, les incendies ont fait rage des semaines. Quand tout fut terminé,
moins de 10 000 humains avaient survécu, et nous n'étions plus qu'une poignée. Alors nous avons travaillé ensemble pour reconstruire et renaître. Écoute, il faut y rendre, là où nous avons travaillé. Travaillé et tout perdu. Retiens ces mots. Puissent-ils passer de ta tête à tes mains. Ainsi, tu réussiras à ouvrir la voie, mais fais attention. Rien n'est encore fixé. J'ignore toujours comment cela finira. Autant à mon époque qu'à la tienne. Regarde, il est en train de se stabiliser. Il y a un truc qui se passe. Il bouge. Desmond, tu m'entends? Fils. Je sais ce qu'on doit faire maintenant.